Alors, ici c'est un essaim artificiel qui a été fait sur trois cadres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la reine n'est pas née et quand j'ai ouvert, c'était bourdonneux. Et j'avais à côté de cet essaim, j'avais une autre ruche qui était en période d'essaimage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux cadres de l'autre ruche, un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé, et j'ai laissé deux cellules royales côte à côte. Ben pour qu'en fait la reine naisse. Et j'ai secoué tout ça qui était devenu bourdonneux, je l'ai secoué dans le champ à 50 mètres. Et donc on va voir si elles ont rélevé une reine et s'il y a assez d'abeilles et si ça nécessite qu'on agrandisse ou qu'on laisse comme ça. Alors là, si j'avais mis du candy, j'avais mis un petit peu de candy, alors je vais essayer de le sortir sans trop les embêter. Un petit peu, j'aurais pas trop le choix, mais bon. Voilà. On va regarder ça vite fait. Quand il y a 3-4, ça sera vite fait. Donc là, on a un premier cadre qui est sec. J'ai l'impression, en tout cas. Un premier cadre qui est sec, il n'y a pas grand chose ouais, sur ce cadre, il y a un petit peu de pollen. Ah et voilà, et là on a un peu plus, on a du nectar et du pollen. Donc ça c'est un cadre de réserve plutôt classique on va dire. Est-ce qu'on a du couvain ou pas? Est-ce que cette reine est née? Alors ouais, on a du couvain, un joli rond de couvain, il n'y a pas grand monde en abeilles quand même, on va voir si on voit la reine, du coup, pas grand monde, c'est pondu, c'est bien pondu quand même, là il y a tout le cadre de couvain, je ne sais pas si vous voyez, alors ici il y a un petit peu de nectar, voilà, de chaque côté, et tout le bas en fait, tout ça c'est pondu. Là, il y a un petit peu de couvain chauve. Ça, c'est une colonie. Je pense qu'il va falloir que je traite rapidement contre le varroa, à mon avis. Des petits essaims comme ça. Si je veux qu'ils hivernent tranquillement. On va voir si on trouve la reine. Théoriquement, ben, elle est sur ce cadre. Vu le peu d'abeilles qu'il y a, ça va être compliqué d'y passer à côté. Elle n'est pas là, alors je vais regarder si c'est pondu tout ça quand même. Il y a des larves. Ok, tout le bas là, tout le bas est pondu. Et voilà, et la reine est ici en fait. La reine est là. Elle est plutôt dans les tons jaunes. Voilà, et tout ça c'est pondu en fait. Elle est en train de pondre tout ça. Ah, elle est là. Elle est là, allez je vais la remettre parce que je sens qu'elle s'énerve. Voilà, allez, on remet ça tout doucement. Alors là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'abeilles. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'abeilles, c'est pour ça que je ne vais pas. J'agrandis pas en fait. Je touche à rien. Et bien, je laisse se développer comme ça. Voilà. Le candy, est-ce que je le remets là-haut? Bon, le candy, elles vont se débrouiller, elles viendront le chercher. C'est pas un problème. Je laisse comme ça. Je vais remettre le nourrisseur en place. Et je viendrai leur donner. Et je viendrai leur donner un petit peu de sirop dans la semaine.